ça. Regardez là-haut. Franchi notre sécurité. Comment est-ce possible? Vous êtes des aliens. Pourquoi? Ça devrait être compliqué. Nous-mêmes avons du mal à comprendre la technologie Reliquat. Seule une poignée d'entre nous est capable de faire fonctionner nos propres portes. Peu importe, vous devez partir. Nous ne recevons pas d'invités ici. Avarl Périclit, si vous me donnez des informations sur le monolithe perdu, je vous aiderai à le réparer, à réinitialiser le caveau. Avec l'aide de Ryder, Avarl pourrait guérir. Notre planète d'origine serait restaurée. Ça n'en vaut pas la peine. Il est perdu. Les souvenirs de son emplacement n'ont pas été récupérés. À Mitrava,
Nous avons accepté la déchéance d'Avarl. Vous allez abandonner votre planète? Mais c'est le berceau de votre espèce. Vous ne voulez pas la sauver? Il y a un gouffre entre vouloir et pouvoir. Ce que vous demandez, personne ne peut vous le donner. Le souvenir du monolithe réside sur un fil qui n'est plus à notre portée. J'ai du mal à vous suivre. On croit en la réincarnation. Un fil continu. Il y a longtemps, quelqu'un connaissait le troisième monolithe. C'était Zorai, un champion des Angara, né avant le fléau. L'âme de Zorai est revenue, et nous pourrions lui demander de se remémorer le passé. Mais nous n'avons aucun contact avec elle. Attendez, je ne suis pas sûre de comprendre. Quelqu'un pourrait se souvenir du monolithe parce qu'il l'a vu dans une ancienne vie? Les âmes reviennent dans leur famille. Un objet, un héritage étroitement lié à cette lignée pourrait faire remonter des souvenirs. Mais ce n'est pas garanti. Nous savons que c'est arrivé en de rares occasions par le passé, avec d'autres âmes. Le seul héritage connu de la famille de Zorai est dans une zone occupée par les reliquats. Personne n'a survécu au voyage. Mais vous, peut-être. L'âme de Zorai s'est réincarnée en Taavos, qui est désormais un Rohikar. Il est revenu récemment en mission sur Avarl. Un Rohikar. Ça va être compliqué. C'est pour ça que vous êtes là, Jal. Ça ne va pas leur plaire que je vous aide. C'est peut-être une impasse, mais on doit essayer. Je vous enverrai les coordonnées nécessaires. Nous pensions qu'Avarl était une cause perdue, mais peut-être que maintenant, il reste un espoir. Avez-vous des questions? Dites-moi plus sur votre croyance en la réincarnation. L'âme grandit au fil de plusieurs vies. En voyant à travers différents yeux, elle gagne en sagesse. Comment grandir si on ne se souvient de rien? La croissance de l'âme est différente de celle de l'esprit. Les souvenirs ne sont pas nécessaires au développement de l'âme. Certains prétendent même que les anciens souvenirs sont une distraction inopportune. Une personne peut devenir obsédée par le passé, et dans ce cas, son âme stagne. Vous avez parlé d'un héritage, un objet qui, selon vous, pourra faire remonter les souvenirs de Zorai. Les âmes reviennent dans leur famille. Parfois, les souvenirs du passé peuvent être rappelés par un objet qui compte pour cette famille. Nous ne comprenons pas pourquoi ni comment cela se produit. Et ce n'est arrivé qu'en de rares occasions. À chaque fois, l'héritage était une pièce de technologie Angara, antérieure au fléau. Dites-moi plus sur Zorai. Les récits le décrivent à la fois comme un érudit et un soldat. Il a parcouru les étoiles et rassemblé des connaissances dans des lieux lointains. Certaines histoires racontent même qu'il connaissait les créateurs des reliquats et leurs machines. Et le troisième monolithe? Nos légendes racontent que Zorai a cherché les monolithes après l'apparition du fléau. Il est mort. Et nous ignorons s'il a réussi à accomplir son objectif. Pourquoi est-ce que vous restez isolé ici? Le chaos engendré par le fléau a scindé notre peuple et a bien failli détruire notre civilisation. La peur s'est emparée de nous. De fausses croyances sur notre malheur se sont propagées et ont commencé à influencer la pensée Angara. Afin de maintenir l'intégrité de ce qu'elle savait être la vérité, 4 familles ont quitté la communauté pour s'installer ici. Nous sommes restés ici depuis ce temps. Je m'en vais. Merci d'avoir parlé avec moi. Je vous en prie. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Ah, parfait. Je voulais vous parler. Comment vous faites pour utiliser la technologie des reliquats? Avec une intelligence artificielle qui m'aide pour l'analyse et la traduction. C'est ça votre truc? J'aurais jamais cru.
Les Sangara qui vivent à proximité des reliquats apprennent parfois à se servir de certaines technologies. Mais ça demande énormément de concentration. Et on comprend pas vraiment leur fonctionnement, même quand on arrive à les utiliser. Donc, vous pouvez vous servir de la technologie des reliquats, mais vous ne comprenez pas son fonctionnement? Pas toute leur technologie, non. Comme je l'ai dit, certaines machines seulement. À Mitrava, par exemple, certains d'entre nous peuvent contrôler le système de sécurité qui protège le sanctuaire. Cette aptitude a été transmise de génération en génération. Moi, ça m'a pris une année pour apprendre à ouvrir une simple porte. C'est là toute la différence entre savoir qu'on peut manger les fruits d'un arbre et comprendre pourquoi cet arbre donne des fruits. Je devrais y aller. Faites à votre guise. Esmus vous laisse vous promener sans surveillance. Vous venez d'interrompre notre cours. Je n'ai rien contre une petite interruption. Détendez-vous. Ce garçon semble avoir besoin d'une pause. Laissez-le un peu souffler. Les vents hurlants nous ont-ils accordé du répit lorsque nous sommes partis à la conquête des cieux? Non. Comme je l'expliquais, le système de propulsion qui a permis à Béchal de s'envoler s'inspirait de quatre machines des reliquats. Et ce n'est qu'un exemple. Nos avancées ont principalement été rendues possibles par la découverte d'artefacts reliquats. Où sont les artefacts dont vous parlez? Ceux qui existent encore se trouvent dans les archives d'Aïa. La plupart d'entre eux ont cependant été perdus. Le bruit court néanmoins qu'à force de remuer le sol, la jungle finira par mettre à jour de nombreux trésors enfouis. Il serait sage d'étudier tout ce qu'on trouvera. Il y aura peut-être quelque chose qui nous donnera l'avantage sur les guerres. Vous croyez que les Angara tiennent leur principale découverte scientifique des reliquats? Il ne s'agit pas d'une simple croyance. Il s'agit de faits établis. Certains artefacts avaient même été laissés inachevés, comme pour nous montrer de quelle façon les assembler. Je vais vous laisser faire votre cours. Il était temps. Les modules de données contiennent nos récits. Un autre déclencheur hérétique, Sam? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Plus la mort approche, plus il est difficile d'envisager la possibilité que je ne reverrai peut-être jamais Amara. Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amurd est malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Amurd, cette étrangère est peut-être en mesure de t'aider. Si elle est allée à Pelaav, il est possible qu'elle ait vu quelque chose. Eh bien, j'ai vu beaucoup de choses. Il va falloir être un peu plus précis. Ma sœur, Amara, elle est devenue désabusée par la vie ici, et elle est partie à Pelaav. Elle doit vivre là-bas maintenant. Pelaav a été envahie par la jungle, tu te souviens? C'était il y a quelques cycles. Tout le monde est parti. Ah,
Oui, je m'en souviens maintenant. Ce qui veut dire qu'Amara est partie. Il est peut-être toujours possible de la retrouver. Tous les Dahara conservent des archives, non? Si une évacuation a été organisée, il devrait y avoir un compte-rendu. Un compte-rendu qui indiquerait certainement où elle est partie. Pala, tu es génial. Où se trouvent ces archives? Sûrement dans un bâtiment administratif, s'il est encore debout et que les machines fonctionnent. Les chances sont minces. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse étrangère, mais j'aimerais avoir des nouvelles de ma sœur. Pour les Angara d'autrefois. Ils trouvaient des objets étranges en pleine nature. Une telle trouvaille pourrait être à l'origine de nouvelles découvertes. Il serait judicieux de l'emporter pour en effectuer une analyse approfondie.